Salut tout le monde, c'est Fred pour IPPS Gaming. Donc on se retrouve ici dans la vidéo de LEGO Minifigure Online, le monde des pirates. Chaque jour, quand vous vous connectez la première fois, donc vous pouvez aller dans les options et vous avez à récupérer le cadeau du jour 1, par exemple ici, 250 étoiles bonus. Demain, ça sera des potions. Il faudra revenir demain pour le récupérer. Donc comment le récupérer? On appuie ici. Puis on va dans la boutique et je me plante. Comme un bleu. C'est pas grave. On y reviendra après. Ah, voilà. J'ai gagné également des diamants. Très important de les récupérer parce que les diamants, c'est la monnaie pour acheter des affaires dans la boutique. Notamment 750 diamants pour avoir un nouveau personnage aléatoire. Voilà, là il y a la mini carte. Donc je vais régler le compte de ces petits singes. Oui, donc je vous le dis, c'est relativement facile parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pour les enfants. Mais bon, comme je vous le dis également, on se laisse surprendre à jouer. La carte est également accessible avec la virgule. Donc là, on voit la grande carte, on voit où on doit se rendre. Je vous conseille un maximum d'explorer même tous les recoins des cartes. Parce que ça permet de débloquer des exploits. Bon, il y a par exemple dans le monde pirate, il y a quelques exploits à débloquer. Quand tous les exploits d'une section sont accomplis, on gagne un paquet d'étoiles. Voilà, donc... ici, on continue cette vidéo. Faut vraiment pas hésiter à tout casser et récupérer toutes les étoiles parce qu'on en a jamais assez, tellement à un moment on peut avoir des personnages. Je vous parlerai également, mais bon, c'est pas pour tout de suite, on en parlera un peu plus tard, d'une petite astuce qui permet pour environ allez, on va dire moins d'un euro, d'obtenir 12 personnages. Donc ça vaut la peine. Voilà, donc ici, on se fait arrêter. Donc on va passer à la vidéo suivante. Ici je vais couper pour faire des petites vidéos courtes pour chaque carte. À tout de suite.